Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici FP pour Best Kicker. Aujourd'hui, je vous propose une revue d'un SNG 9 joueurs, joué par un amateur de notre forum, Arnaud, qui a bien gentiment voulu me remettre sa end history. C'est un jeu sur pokerstar.fr, si je ne m'abuse, et en 5 $, en 5 €, pardon. Et donc nous allons analyser tout ça. Le début du SNG est classique. Arnaud fait une bonne sélection de mains de départ. On voit que avec 3 cage ici, il va folder. On aurait pu ouvrir du bouton, de la petite blinde éventuellement sur des gens assez tight. Mais comme je vous le rappelle, on adopte, pardon. La stratégie classique de conservation des jetons en début de SNG. Et on ne va vraiment jouer que le haut de sa range, c'est-à-dire les grosses paires et AK, éventuellement AQ aussi. En début de parole. Et on élargit au fur et à mesure qu'on avance dans la table. Ici, une ouverture à 90. Nous avons 75 à rajouter. Je vous renvoie vers les vidéos qui parlent des quotas implicites pour jouer les petites paires. Moi, je considère qu'il faut du 15 contre 1. Donc 75 x 15, on doit tourner dans les 1080. Enfin, 1000. On a donc tout juste la cote implicite pour jouer. On va le faire. C'est ce qu'Arnaud fait. Malheureusement, on ne touche pas. Donc on se rappelle qu'on ne s'emballe pas. Ici, on pourrait dire, bah ok, ça peut toucher aussi, sauf si louve tight. On ne sait pas, on ne s'emballe pas. On va voir l'action, il mise, on va folder. On était là pour cette mainée, on l'a pas eu. Ah, on passe à la suivante. À 7 ici, on fold. Ce serait pas horrible d'ouvrir, mais effectivement, je préfère le fold aussi. Et quand on ne connaît pas ses adversaires, si on est payé avec notre petit kicker 7, on risque quand même d'être un petit peu dans la mouise. On continue, K10, on va folder. Donc, jusqu'à présent, bonne sélection des mains de départ d'Arnaud. On va pas compléter les 100 ici, surtout avec une main aussi poubelle que ça, aucun potentiel. Ici aussi, on va folder. Aucune raison d'essayer de voler, sauf s'il est vraiment très très tight, on peut le risquer, mais on va devoir risquer 125 jetons, ça représente presque 10% de notre stack, donc si on avait plus, on pourrait le faire ici, effectivement, je pense que c'est mieux de passer.